C'est la sensation de ce début d'année, le Bitcoin qui a établi un record de près de 35 000 dollars. Star du jour, c'est le Bitcoin qui a battu hier brièvement son record historique qui datait de 2021 à plus de 69 000 dollars. C'est l'État qui mettait en vente des Bitcoins et qui a empoché 24 millions d'euros. C'est ça, 611 Bitcoins qui étaient détenus par l'État, qui ont été vendus aux enchères. Pourquoi Bitcoin ne peut que monter ? Derrière cette phrase qui peut sembler un petit peu présomptueuse, un petit peu prétentieuse, je vous l'accorde, se cache une vraie réalité. Bon, c'est... ça se dit pas. Je vais donc vous expliquer en 5 points pourquoi est-ce que je pense que Bitcoin ne peut que monter, qu'on n'est pas au bout de nos surprises et que la hausse est encore à venir, même si aujourd'hui, il vaut autour des 70 000 dollars. Pour ceux qui me connaîtraient pas et qui me prennent actuellement pour un bit, laissez-moi me présenter rapidement. Je suis Alex, j'ai cofondé le média How to Bitcoin avec Victor, un ami et collègue avec qui on partage notre passion pour Bitcoin depuis plusieurs années. Notre objectif est de démocratiser la liberté de manière générale et on pense que cette liberté passe par l'utilisation et l'adoption de Bitcoin comme outil émancipateur d'un point de vue financier. Et qui dit émancipation financière dit généralement émancipation tout court. Donc si vous partagez ces valeurs, que nos contenus peuvent vous intéresser, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. On sort une interview par semaine d'acteurs de l'écosystème. On sort également une vidéo éducative ou une vidéo réaction à un contenu qui ne nous aurait pas trop plu. On sort ça le dimanche matin. Les interviews, c'est le mercredi. 2 vidéos par semaine sur Bitcoin. J'ai envie de dire, que demande le peuple? Et juste avant de commencer, je sais que c'est relou, mais n'oubliez pas de mettre un petit like et de commenter la vidéo, c'est hyper important pour nous, ça booste la vidéo, et ça ne vous coûte rien. Allez, c'est parti! What's the second best? There is no second best. There is no second best crypto asset. There's a crypto asset, it's called Bitcoin, right? Le premier point qui me semble assez évident, mais qui est pas facile à comprendre quand on débute, c'est que Bitcoin, c'est la rareté absolue. Ce que je veux dire par rareté absolue, c'est pas que Bitcoin est juste rare, comme on pourrait dire, bah l'or c'est rare, c'est que Bitcoin est rare de façon absolue, dans le sens où il n'y en aura jamais plus de 21 millions. Aujourd'hui, on est à peu près à 19 millions et quelques de Bitcoin, on sait qu'il y en a une partie qui est perdue, mais de toute façon, le protocole Bitcoin limite l'émission de Bitcoin et elle est capée à 21 millions. Il n'y en aura donc jamais plus de 21 millions disponibles sur Terre. Et donc ça veut dire que c'est le seul actif de l'histoire de l'humanité dont on est sûr qu'il est absolument rare. Vous pouvez me citer n'importe quoi, il n'y a rien de plus rare que Bitcoin. Et je parle bien sûr d'actifs fongibles. Par exemple, vous me trouverez toujours un bijou qui est extrêmement rare et qui est unique. Oui, c'est pas un bijou fongible parce qu'il n'en existe pas plusieurs exemplaires. Par contre, si ce bijou est en or, je peux vous assurer que Bitcoin est plus rare que l'or. Parce qu'aujourd'hui, on trouve entre 1 et 3% d'or tous les ans, donc c'est inflationniste. Qui plus est, il n'est pas dit un jour qu'on trouve de l'or de façon abondante sur une autre planète, qui est de l'or qui tombe du ciel via une astéroïde. Bref, voilà, vous avez compris, l'or est très rare, mais pas de façon absolue comme Bitcoin. Et donc le lien avec le fait que Bitcoin ne peut que monter, alors c'est peut-être un petit peu attiré par les cheveux pour vous, mais pour moi ça fait sens, c'est tout simplement que sa rareté fait qu'il est donc voulu par les êtres humains. Et donc vous allez me dire, bah quel est le lien avec le fait qu'il va ne faire que monter? Alors quand je dis que monter, bien sûr, je parle sur le long terme, eh bien l'homme de tout temps, depuis la nuit des temps, a toujours recherché les actifs les plus rares possibles à se procurer pour le mieux stocker sa valeur dans le temps. Au début, c'était les pointes de silex, ensuite c'était le sel, il y a eu des pièces d'argent, des pièces de bronze, des pièces de cuivre, puis des pièces d'or, parce que l'or était l'actif le plus rare sur Terre. C'est également pour ça qu'on l'a utilisé comme monnaie, c'est aussi pour ça que je pense que Bitcoin ferait une excellente monnaie. Pour ça, je vous redirige vers un article qu'on a écrit sur les origines de la monnaie jusqu'à Bitcoin qui reprennent tous ces points. Mais Bitcoin étant supérieur à l'or en tout point, du fait qu'il soit plus vendable dans l'espace, c'est-à-dire que transférer un Bitcoin, vu qu'il est numérique, c'est beaucoup plus facile que de transmettre de l'or. Il a une meilleure vendabilité qu'on dit temporelle, dans le sens où il conserve mieux la valeur, tout simplement parce qu'il est rare. Il est également sa propre unité de compte. Avec Bitcoin, on peut exprimer la valeur de n'importe quoi, vu qu'on peut diviser un Bitcoin en 100 millions d'unités qu'on appelle le Satoshi. Donc Bitcoin ferait une excellente monnaie, et qui plus est une monnaie extrêmement rare. Donc pour moi, il ne fait aucun doute que sa demande va extrêmement augmenter, et quand bien même ce ne soit pas adopté comme monnaie parce que les États s'y opposent, on l'a vu avec l'arrivée des ETF, ce sera à minima la réserve de valeur ultime de l'humanité. Et d'ailleurs, ça me permet d'envoyer sur un deuxième point, c'est le point de l'accessibilité et de cette demande croissante. Vous le verrez, la demande croissante, on va le développer un petit peu après, c'est pour... Pourquoi est-ce que l'homme, en fait, veut de plus en plus quelque chose de rare?
parce que bah, aujourd'hui on a pas mal de bulles sur plein d'actifs, mais ça je vous en reparle juste après. Moi j'aimerais insister d'abord sur l'accessibilité. Vous devez vous en douter, il y a 10 ans, c'était bien plus compliqué de se procurer du Bitcoin. Alors s'en procurer en self-custody, c'était possible, mais ce n'était pas vraiment possible de déléguer la possession. Alors gros disclaimer, je ne vous incite pas à déléguer la possession de vos Bitcoins sur un exchange ou via un ETF, mais aujourd'hui oui c'est une solution qui est possible et viable. Disons que c'est moins risqué qu'il y a le 10 ans, même si FTX nous a rappelé que ça reste une très mauvaise solution. J'ai envie de vous dire, si c'est pour acheter du Bitcoin sur Binance, autant acheter de l'ETF et de mettre ça dans une enveloppe fiscale, il y aura moins de risques que l'établissement fasse faillite. Parenthèse refermée, je vous recommande bien évidemment d'acheter vos Bitcoins et de les mettre sur une clé, d'en avoir la détention en propre et d'être souverain monétairement. Mais ça, c'est le sujet d'autres vidéos que je vous invite à regarder. Donc, pour revenir à cette histoire d'accessibilité, aujourd'hui, il y a pléthore de plateformes sur lesquelles acheter du Bitcoin, sur lesquelles on peut retirer à moindre frais, certaines qui sont plus ou moins complexes, certaines qui facilitent plus ou moins les échanges, certaines qui vont vous inciter plus ou moins à les retirer, mais vous avez énormément de choix. Pour vous citer une plateforme française qui est excellente pour ça, je peux vous citer donc Bitstack, il y a des plateformes suisses comme Montpèlerin ou Relay, bref, vous avez plein de plateformes où acheter du Bitcoin est très simple, vous pouvez les retirer à moindre frais, donc vous n'avez plus aucune excuse. Et donc, pour moi, aujourd'hui, n'importe qui peut acheter du Bitcoin de façon assez simple, notamment via les nouveaux véhicules qui arrivent comme les ETF. Aujourd'hui, les fonds d'investissement, les institutionnels peuvent s'exposer au prix du Bitcoin en un clic, et ça en termes de volume qui vont arriver sur les marchés, on le voit déjà avec l'effet de l'ETF, ça va être colossal. Et je pense que cette demande ne va pas s'arrêter, pour les raisons que je vous ai énoncées précédemment du fait de sa rareté, mais aussi pour celles que je vais vous expliquer dans un instant. Les trois prochaines raisons dont je voulais vous parler sont intimement liées, et je vais commencer par le fait qu'aujourd'hui, Bitcoin est considéré comme un actif ultra spéculatif. C'est la réalité, c'est comme ça que la majorité des gens le considèrent, et j'ai presque envie de dire que d'un point de vue personnel, mais aussi pour ceux qui en ont déjà, c'est pas si néfaste. Aujourd'hui, vous le savez, les banques centrales ont réduit leurs taux, donc ont rendu plus difficile l'accès au crédit, donc il y a moins de monnaie qui circule dans l'économie, donc les gens sont moins incités à investir, les grands fonds ont accès à moins d'argent, moins facilement, et donc les premiers à en payer les frais, c'est les actifs ultra spéculatifs. Vous allez me dire, mais Bitcoin est à son ATH, c'est un actif spéculatif, qu'est-ce que tu racontes ? Vous inquiétez pas, on l'aborde juste après. Mais généralement, ces actifs très spéculatifs, qu'on appelle comme ça, ou très risqués, en période de récession slash de baisse de taux, sont les premiers à prendre cher. Donc ça veut dire que lorsqu'on va réaugmenter les taux, qu'il y aura nouvelle injection de liquidités, comme on l'a vu par exemple en 2020-2021, quand les banques centrales ont décidé de refaire tourner la planche à billets pour le Covid, les actifs risqués explosent littéralement. C'est ce qui fait qu'on a connu d'abord une baisse colossale, parce qu'il y a eu une panique sur les marchés, et dès qu'il y a eu une annonce d'impression monétaire massive, l'argent a coulé à flot, et les actifs risqués, comme Bitcoin, ont explosé à la hausse. Donc ça c'est le premier point pour moi, c'est que tant que Bitcoin est considéré comme un actif risqué, à la moindre baisse de taux qui vont arriver, son prix sera amené à augmenter. Le quatrième point qui est donc lié, c'est que pour moi Bitcoin est une valeur refuge en devenir, si ce n'est pas déjà un petit peu le cas. Ce que je vais vous dire là a sans doute été biaisé par l'arrivée des ETF qui a vraiment été un catalyseur de la hausse de Bitcoin, mais on peut quand même constater que récemment Bitcoin est très corrélé à l'or par exemple, qui est la valeur refuge ultime sur les marchés financiers. Lorsqu'on panique, lorsqu'on ne sait pas où mettre son argent, généralement on achète de l'or parce qu'on sait que ça stocke très bien la valeur dans le temps, et donc en période de doute, c'est là que les gens se dirigent, et surtout là où les investisseurs investissent. Autant vous dire que depuis quelques temps, c'est un petit peu la période qu'on traverse, on l'a vu, l'or a explosé à la hausse, mais Bitcoin l'a suivi. Donc Bitcoin a déjà un comportement de valeur refuge. Mais je pense que cela se vérifiera dans le futur, lorsque Bitcoin aura une capitalisation bien plus énorme, que les gens auront compris cette fameuse rareté, et qui se diront que le meilleur moyen de préserver la valeur en période de doute sera d'acheter du Bitcoin au même titre que l'or. D'ailleurs, je vous prépare une petite vidéo sur pourquoi Bitcoin va littéralement exploser l'or, pourquoi l'or est complètement démodé, si je puis dire, et en quoi Bitcoin est supérieur en tout point. Mais bref, parenthèse refermée, ce sera le sujet d'une autre vidéo, et si elle est sortie au moment de celle-ci, je vous mettrai un lien dans la description. Donc en conclusion pour ce point, je pense que Bitcoin aura vraiment un rôle de valeur refuge en devenir, si ce n'est pas déjà le cas pour les points que je vous ai expliqués. Le cinquième et dernier point que je voulais aborder avec vous dans cette vidéo, c'est le sujet de l'inflation. Vous le savez, l'inflation n'a pas disparu, d'ailleurs elle ne disparaîtra jamais parce que l'objectif de la banque centrale est de maintenir cette inflation, et j'ai quand même une petite théorie sur le fait que enfin, c'est d'ailleurs pas mes théories, hein. Beaucoup d'analystes, comme par exemple Charles Gave, ou d'autres, ont, qui fait énormément sens,
c'est que cette inflation n'est pas prête de s'arrêter. Je vous explique. Vous le savez, aujourd'hui, la majorité des États, des plus gros États mondiaux comme les États-Unis, mais aussi la France et les pays européens, et d'ailleurs la Chine, ou le Japon, bref, il y en a plein, sont extrêmement endettés. La charge de la dette, c'est-à-dire la part de la dette dans les dépenses des États, ne cesse d'augmenter parce qu'ils sont de plus en plus obligés de faire rouler leur dette, c'est-à-dire d'emprunter à nouveau de l'argent pour rembourser les anciennes dettes et ainsi faire rouler. Sauf qu'il y a un moment redouté par les États qui s'appelle la trappe à dette. C'est-à-dire qu'en fait, la charge de la dette, c'est-à-dire que ses intérêts, vont dépasser le budget de l'État. Je crois qu'aux États-Unis, il vient de dépasser le coût de l'armée. Quand on sait ce que les États-Unis dépensent dans l'armée, je crois qu'on se rend quand même bien compte du délire que c'est. Et donc, pour que les États ne tombent pas dans cette fameuse trappe à dette et fassent faillite, le meilleur moyen pour eux de l'éviter et que ce soit le moins douloureux ou le moins visible pour la population, même si en réalité ce n'est pas du tout le cas, c'est l'inflation. L'inflation va donc passer par l'impression de monnaie massive, tout simplement parce qu'en fait, les États vont devoir imprimer énormément d'argent aujourd'hui pour rembourser les dettes, rembourser les intérêts de ces dettes, mais en fait, en faisant ça, ils vont dévaluer tout simplement la valeur de la monnaie. Sauf que si je vous emprunte 10 aujourd'hui et que je vous rembourse ces 10 dans 10 ans mais qui n'ont plus du tout la même valeur, qu'ils valent 8 ou 5, eh bien je suis gagnant. Et concrètement, c'est un mécanisme qui est clairement utilisé par l'État, c'est-à-dire d'emprunter aujourd'hui pour rembourser demain, moyennant un petit taux d'intérêt, on parle des fois de taux d'intérêt qui sont à zéro voire négatif, mais le même montant. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont vous rembourser avec de la monnaie de singe, une monnaie qui ne vaut plus la valeur initiale, voire dans certains cas plus rien quand on a des inflations colossales. J'en ai peut-être perdu certains sur ce point, ce qu'il faut comprendre, c'est que les États n'ont pas le choix quasiment de maintenir cette inflation, de relancer une impression monétaire massive pour pouvoir se refinancer et ne pas tomber dans cette trappe à dette. Et donc là, le rapport avec Bitcoin, si on veut boucler la boucle, c'est qu'il va donc y avoir à nouveau injection de liquidité, impression monétaire, et je ne serais pas étonné que beaucoup d'États, bien qu'il y en ait qui commencent à le faire, qui commencent à acheter du Bitcoin avec justement ces nouvelles liquidités pour justement posséder un actif extrêmement rare qui s'apprécie dans le temps et qui va leur permettre de justement alléger le poids de la dette au fur et à mesure en ayant une forme de collatéral et un actif qui pourra leur permettre de rembourser plus facilement la dette dans le futur. Et même si ce n'est pas le cas, on sait très bien que lorsqu'il y a des injections massives de liquidités comme ça, comme je vous l'ai dit au début, ça profite aux actifs risqués, comme Bitcoin, et donc, je pense qu'on peut assez facilement en déduire que ça ne peut que profiter à Bitcoin. Concrètement, je ne vois aucun scénario, à moins que, comme le dit si bien Yves Chouefati, les banques centrales redeviennent orthodoxes, maintiennent des taux à 5, voire 7, voire 8, voire 10%, à moins qu'elles se dirigent vraiment vers ces taux-là, on n'a pas trop de soucis à se faire, et donc acheter du Bitcoin est un excellent pari sur la non-orthodoxie des banques centrales, et honnêtement, c'est comme ça qu'elles se sont toujours comportées et qu'elles se comporteront. En conclusion, je pense sincèrement que Bitcoin ne peut que grimper dans le futur, pour les raisons que je vous ai exposées, et pour plein d'autres qu'on abordera dans d'autres vidéos. Si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous ne l'êtes pas ou si vous n'avez pas compris un point, dites-le moi également. Je vous invite à liker cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains contenus. N'oubliez pas d'activer la cloche. Rejoignez-nous sur Discord, on a un lien en description. Et moi, je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. C'était Alex, ciao.